Étienne, j'arrive. Salut. Voilà, tout le monde. Ça commence maintenant? Oui, c'est d'accord. C'est commencé. Bonjour. On est là. Salut tout le monde. Voici pour une nouvelle vidéo de la série fin de saison 2. Et avec nous aujourd'hui, voilà, j'ai dit comment je m'appelle, oui, Myriam Erkruger, voilà, si j'ai pas dit, voilà, maintenant c'est fait. Donc aujourd'hui avec nous, il y a, tadam, James Liddell. Voilà, merci. Merci d'être là chez toi, merci de m'avoir invité chez toi. Oui, non, mais merci. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, si vous vous rappelez, il y a un an, on avait fait une vidéo avec James, et pour parler un peu des poètes, on avait même dit les James Bond de la poésie, tout à fait. Oui. Donc voilà, si vous avez raté ces vidéos-là, je vous invite à aller chercher dans ma chaîne de YouTube la playlist Fandé, et vous allez trouver toute la vidéo, pas seulement celle avec James, mais aussi avec toutes les autres. Donc aujourd'hui, après un an, parce que c'est passé un an de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Maintenant que c'est un an après la vidéo qu'on avait tournée et qu'on parlait de la difficulté à cause de Covid et toutes les choses, voilà, que ça restait suspendu. Donc, et maintenant quand même, ça fait plus d'un an avec le Covid qui est toujours là, donc on vit toujours avec ça. De ton côté, qu'est-ce qui s'est passé côté professionnel et tout ça? Professionnel, j'ai enseigné toute une année avec les masques pour les professeurs et les enfants, les écoliers. Et ça veut dire que la semaine prochaine, je crois le 1er octobre, oui, ils vont enlever le masque finalement. On aura le grand dévoilement et tout le monde se verra pour la première fois. Je suis très content, oui, de voir à quoi ils ressemblent, oui, les élèves. Parce que ça fait un an que je ne vois que ça. Oui, c'est... Je connais très bien les sourcils des enfants. Oui. Ils ne comprennent pas, ils le regardent comme ça, et ils bougent beaucoup les sourcils. Mais, oui, mais les bouches, non. J'ai jamais vu. Et alors ça va être une grande surprise pour tout le monde. Mais ça a été très difficile d'enseigner sans pouvoir voir le visage entier. C'est très différent. Est-ce que tu es en train de travailler sur un livre ou des publications qui vont sortir après? Oui, la bonne nouvelle est que les éditions Filles ont, oui, accepté mon premier recueil de poésie qui sortira, je crois, bientôt. Je ne sais d'accord pas, je n'ai pas une date fixe, mais ça c'est très passionnant. Ouais. Super. Et j'ai aussi fini cet été un roman sur l'école européenne où je travaille depuis 20 ans et les institutions européennes et le Luxembourg. Alors c'est un roman comique et un peu romantique, mais je crois que c'est assez humoristique. D'accord. Et j'espère que ça aussi sera publié prochainement, mais je ne sais pas quand. Oui, écoute, on va rester attentif à toutes ces sorties-là. Parce que déjà celle de l'école européenne en humoristique, ça me titille la tête, ouais, je voudrais bien. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est un endroit très surréel. Mais on vit dans un monde très surréel désormais. Oui, oui. Donc, est-ce que je demande toujours à tout le monde un peu s'il y a une anecdote ou quelque chose qui a changé ou que maintenant on a vu toutes qu'ils sont pris à cause de la vie avec le Covid, de la façon de vivre. Et là, avant qu'on était en train de discuter, tu m'avais parlé de la masque que tu as. Mm-hmm. Et que tu as. Moi, je voudrais que. Ah, tu veux voir le, oui, masque? Il faut que vous voyez ça. C'est un masque très poétique. Trop mignon, très poétique. Alors, je vais le mettre là. Elle est trop belle. Parce que ça a été fait par mes filles pour mon cadeau de Noël. Et c'est marqué les deux derniers vers d'un poème que j'ai écrit. Et c'est marqué The memories we will never have will survive in us as love. Et quand ma fille est née, tous les soirs, pendant les premiers 3 mois, je prenais un bain tous les soirs avec elle et je me suis dit, tiens, elle ne se souviendra jamais de ces moments. Et j'ai écrit un poème qui est assez connu, qui a gagné des prix, qui s'appelle Part-Time. Et là, c'est les deux derniers vers. Est-ce que tu peux approcher un peu à la caméra, la mascara, comme ça, ils vont me voir? Oui. Voilà. C'est top, c'est vraiment top. C'est fou la vie et le monde qu'on est en train de vivre, tout ce qui se passe. Donc voilà, déjà la vidéo elle est finie. Donc je vous invite d'aller chercher la vidéo d'il y a un an avec James. Et comme ça vous cherchez les 7 différences. Vous cherchez les 7 différences entre la vidéo d'il y a un an
la vidéo de Yuri. Une chose qu'on a en commun, c'est... plus, j'imagine. Mais toujours le soleil. Voilà. Toujours le soleil avec nous. Oui, et toujours, nous les poètes, on est vivants, toujours. Oui. On dit oui, ça l'autre oui. jour, donc voilà, poésie vivante avec nous. Donc voilà, continuez toujours à regarder les vidéos. Merci pour votre soutien, les messages et tout ça. Il faut suivre, la vidéo sera publiée dans quelques semaines désormais sur la page Facebook du projet. Oups, tout en bas. Mais aussi sur YouTube. Donc voilà, à regarder à volonté et à partager bien sûr. Donc allez, on vous laisse, on vous souhaite une super fin de journée. Protégez-vous, protégez votre famille et voilà, amour et santé à volonté pour tout le monde. À bientôt, au revoir. Ciao et un coup. Coup, 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 coup. Voilà.